ton esprit. Amen. Et nous profitons l'occasion et que nous saluer non seulement notre Dieu Trinitaire dans la vie chaque monde, dans la vie par moi, puisque parole enseigne nous que tout le monde qui a respiré, eh bien, il doit louer lui, il doit adorer lui et il doit remercier lui. Et bien-aimés, frères et sœurs, la côtoyer qui a l'écoute de parole, bon Dieu, nous saluons. Que la paix, bon Dieu, avec vous. Amen. 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 Et c'est une grande opportunité que le Seigneur dit, bon nous. Et matin, vous que nous méditer ensemble, parole, bon Dieu. Et nos derniers dimanches, là, et 25 juillet 2021, nous avons approché la thématique ça que nous gagnons, l'assurance divine que nous joignons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien que peut me faire un homme. Et Mathieu nous peut aller répondre avec question ça. Que peut me faire un homme? Somme 118, là, t'es capable de répondre. Que peut me faire des hommes? Ou du moins, somme 56, verset 5-6, là, t'es capable de dire. Que peut me faire des hommes? Matin, bien-aimé, nous dit le Seigneur merci, monsieur bon Dieu, à la croix, il t'a fait plan ça pour nous, le plan d'assurance, à travers rédemption, à travers plan rachat, à travers huitième alliance là, que grâce avec Sani, qui était versé à la croix et il payait d'être nous pour nous. Toute dette que nous t'ai doué, c'est nous qui t'ai doué mourir en place, li, c'est nous qui t'ai doué crucifié. Il n'y a pas de faire rien pour que nous t'ai en place ça. Mais péché nous, vous voyez le mourir pour nous. Mettez-nous en confiance dans l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et plan, ce n'est pas un plan personnel lié, mais son plan pour l'humanité entière. Et Jean 3,16 va le répondre, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, bien-aimé, mais assure ça, le Seigneur, il bande nos gratuits, bien-aimé. Parce que le Seigneur, il paye pour nous, il paye d'être là pour nous, bien-aimé. Et c'est pas pour cette raison, l'invitation faite à tout le monde, à tous ceux, de près et de loin, la côtoyer, eh bien, on doit entrer la caille du Seigneur. Maintenant, il y a un texte qui rapproche de thématique là. C'est Psaume 40, verset 5. Il dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Et Psaume 61, verset 4, pour répondre, pour dire, tu es pour moi un refuge
une tour forte en face de l'ennemi. Mater bien-aimé, nous te voulons garder avec vous, Mater, dans le Proverbe 18, verset 10, et nous estimons que c'est un texte qui est fort, et plusieurs hommes, nous, prédicateurs, nous, prédicatrices, nous, yo pral comme un thème de référence. Et les noms tapent font garder encore selon appréhension nous. Il dit le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie se trouve en sûreté. Les noms abgardent texte là le nom de l'Éternel est une tour forte, il fait référence à la puissance de l'Éternel, il fait référence à la majesté, à la souveraineté de l'Éternel, et qui donne l'assurance au juste. Et on te voit avec moi dernièrement, le juste vivra par la foi. Et nous pas gagné pour nous payer, même Jean-Martin Luther était capable de répondre ça, qu'il t'a fait référence surtout avec vente, ça que les vente des indulgences. Et nous t'as gardé texte là, il te dit non, eh bien, nous commençons par la foi. Nous devons continuer avec la foi et nous mourons dans la foi. Et je veux comprendre fort bien, bien-aimé, dans le texte, et c'est la foi seule. Tu es capable de dire sola fide, Christ seul, solus Christus. Écriture seule, sola scriptura. Et pourquoi Martin Luther était capable de faire approche ça? Martin bien-aimé, les nous gardons dans Exode, chapitre 34, verset 14, là. Nous venons que bon Dieu dont l'autre appellation y aurait de la jaloux. L'enga des textes, ça lui dit que tu ne posterneras point devant un autre Dieu. Hein? Et car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Matin, si on t'a demandé comment l'Éternel relève, eh bien, ou abdili, lui est jaloux. Avant d'entrer dans le texte, là, qui t'aime bon, tu refères à ça toujours, à savoir la foi seule, Christ seul, Écriture seule. Esaïe Bral dit que dans Esaïe 42, verset 8, il t'a qu'à répondre pour dire que je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, et ni mon honneur aux idoles. Alors, Matthieu, nous pourrons comprendre fort bien, texte ça yo, et puis, pour être capable de dire tout, garder dans deux. Timothée, chapitre 3, verset 16, là, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour et utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger. Matthieu, parole ça,
c'est nous venir comprendre, yo faire référence à la foi, et c'est ça même la foi, manger, c'est la parole. Ah, nous te voyons, la foi est une ferme assurance. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Matin, si nous avons questionné texte ça matin, et nous, dans le texte de référence, nous, dans le texte côté de la thématique là, nous jouons que le Seigneur est mon aide. Je ne crains de rien. Eh bien, que peut me faire un homme? Alors, on pourrait, ou du moins, que peuvent me faire des hommes? On pourrait comprendre bien qu'il y a des rongeurs de la foi. Ou qu'on est. Et que sont les rongeurs? Et on nous a appris que les rongeurs aussi race et souris. Mais dernièrement, les amis t'as fait référence à Jacques Saint-Louis, t'as parlé de l'angoisse, de la peur, comprenez bien, de l'anxiété. Ça, ce sont des rongeurs. Le rongeur de la foi, pas oublier la foi, bien-aimé, c'est le plus grand trésor. Eh bien, pour obtenir vraiment, pour gagner cette assurance. Bien-aimé, quittez-moi tout le texte côté nous, te voulez faire parler, le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est quoi une tour? Alors, là où se définit tout là, il dit, c'est un bâtiment en hauteur. Et il dit également, c'est une construction en hauteur. Et c'est ça là où se bano. Et bien aimé, parlant de tout, et nous gagnons la tour d'Eiffel. Et en France, et la ville de Paris, eh bien, je crois, l'y garder par cette tour. Mais n'en déplaise à cette tour, l'ennemi qui a entré, l'y vandaliser, et l'y dérober. Les détruire. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit l'ennemi ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. C'est l'objectif même de l'ennemi. C'est le plan de l'ennemi, c'est le projet de l'ennemi. La tour de Jéricho également, si nous avons fait référence à la ville de Jéricho, eh bien, n'en déplaise, l'ennemi était entré. Et si nous avons fait mise en contexte ça, nous comprenons, l'ennemi était entré, eh bien, il était gagné ville ça. Et chez nous, nous sommes capables de prendre la ville du Cap, en Haïti, et qui gagnait en barrière bouteille, mais n'en déplaise à Muraïsa, à Mursa. Eh bien, elle m'y entrée, yo. Dérobé, yo pillé, yo vandalisé, yo tué. Comprenez bien. Alors, matin, bien-aimé, en dépit de tout ça, nous venons comprendre. Eh bien, le nom de l'Éternel est une tour forte.
le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité et se trouve en sûreté. Alors, nous ne comprenons tout, c'est tout, mais tout n'est pas même. Maintenant, nous comprenons tout ça, c'est la vraie tour. C'est l'unique tour. C'est la seule tour. Et maintenant, bien-aimé, texte à répondre. Eh bien, et qui ça, yon moun kafem? Qui ça au kafem? Si me cache dans tout ça. Si m'abrite moi dans tout ça. Oh, bien-aimé. Texte, dernièrement, le nous tapé Jean Gléli, nous tapé, c'est comprendre que fortune, on va bien, n'en déplaise, bon Dieu pas empêcher au monde de grands moyens, de l'argent, on va bien, mais matin, je vais montrer nous, l'argent, pas capable de nous, sécurité, ah, si l'argent est capable de nous sécurité, eh bien, feu, président nous, eh bien, il tape gaillé li, il tape bien sécurité, il n'y a pas tapé atteindre vili. Mais il n'y a pas tapé traverser 3-4 périmètres de sécurité pour surplanter jusqu'à Chamonix. Ah, Mathieu Bélébé. Alors, on comprend fort bien. Ce n'est pas moyen, ce n'est pas fortune. Ce n'est pas dans le doctorat, ce n'est pas dans la licence, non. Ce n'est pas dans le diplôme, non, bien aimé. Oh, ce n'est pas le monde qui est capable de bonne oli. Et c'est ça, le texte-là dit, oui. Il dit, heureux l'homme qui place sa confiance, qui place en l'éternel sa confiance. Et qui ne se tourne pas vers les menteurs et les hautains. Oh, bien-aimé, bon Dieu, dans Jean 8, 44, il dit nous, ennemis, ça, lycée, papa mensonge. Vous comprenez bien. Alors, et c'est ça, matin, au regard de la parole, m'kwe, chaque monde qui a instruit de thématique ça, chaque monde matin qui a informé, qui a formé de thématique ça matin, et il a réalisé certainement que il a doué, eh bien, faire bon Dieu confiance. Yo doué chercher assurance ça, la seule et vraie assurance, l'assurance divine, Matthieu. Il n'y a pas l'autre côté, c'est bon côté le Seigneur. Dans l'épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, il dit, soyez sobre, veillez votre adversaire. Satan le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oh, cherchant qui il égorgera, cherchant qui il détruira. Oh, Matthieu bien-aimé, c'est nous faire attention, oui, avec elle, bien-aimé. Oh, mais heureusement, nous avons le lion des lions, le lion fait de la tribu de Juda. Et c'est lion ça qui a bonne nos sécurité. C'est lui-même qui a gardé nous, bien-aimés. Et dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 4CA, il dit, le nom de Dieu, non seulement
il est jaloux, c'est un Dieu jaloux, il s'appelle jaloux, mais il s'appelle également fidèle. Raison, c'est parce que sa fidélité est un bouclier, sa fidélité est une cuirasse. Oh, on connaît ce qui ça, un bouclier. Un bouclier, c'est un vide blindé qui devant face où. Mais souvent, policiers yo, militaires yo, yo qu'on atteint yo, mais bouclier ça, le bouclier de la foi. Au point mais lorsque le devant face où est mis en, il pas qu'à atteindre nous. Et cuirasse là, nous te dit où c'est gilet pas mal. Ah, en pile et militaire, en pile policier qu'on gagne gilet pas mal, mais elle m'y atteint yo. Mais gilet pas mal ça. C'est pas gilet pas mal qu'on capable ouais. Avec un yeux charnel. Et ça fait matin pour besoin faire le choix. Eh ben de cette tour ou besoin faire le choix de ce grand nom, de ce nom puissant, de ce nom souverain, ou besoin faire choix de ce nom majestueux, Matéan, ou nous inviter, ou pas mettre confiance ou non en rien, ou surtout que Matéan, non, le Seigneur, il est jaloux, ou pas de ou pas doué posterner devant image taillée devant idole. Oh, Paul Prady, dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 5, quand il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Jésus-Christ, homme, Matthieu, bien-aimé, ou bien raison d'être pour choisir Jésus matin, ou besoin raison d'être pour choisir et sauveur ça, rédempteur ça, dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, là, il dit, il n'y a de salut, mais en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, par lequel nous avons fait cette assurance, par lequel nous ayons cette assurance. Oh, Matthieu, nous inviter ou la côté où y est, pour faire choix, on prend main de sauveur ça. Oh, les nous garder, on prend main, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le nom de l'Éternel est notre tour d'assurance. Le nom de l'Éternel est notre tour de sécurité. Le nom de l'Éternel est notre tour de protection. Le nom de l'Éternel est notre tour d'abri. Oh! Les psaumes 41, verset pour moi, il dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, Matthieu, bien-aimé, oh, où est que pas de assurance, nantikai, gokai, en bas gokai, pas de assurance, au point de dans l'image taillée, bien-aimé, on prend même pas gain assurance dans idole bien-aimé. On prend même pas gain assurance bien-aimé dans bouteille, dans mouchoir rouge bien-aimé. Oh, si tu gain assurance là-dedans yo, eh ben monde qui gain grand moyen yo, qui a donné yo à hautain, à menteur yo, les devins, les ougons, eh ben yo pas tap mourir bien-aimé. Yo pas tap supplanter la caillou pour aller atteindre vie yo pas tap prendre balle bien-aimé au bon mais Matthieu nous gain Seigneur ça nous gain sauveur ça
nous gen rédempteur ça et c'est lui même nous offrir. Oh si gen un ami matin qui pour connaître le Seigneur nous inviter pour approcher matin pour soumettre la vie au matin pour capable comprendre tout Seigneur son tout fortifié son tout redoutable nous te ouais et plusieurs tout avec ou au bon mien et tout ça nous est ennemi capable river à teño au matin et c'est pour raison matin nous inviter ou vrai tout là au bon mien vrai nom mais y aurait l'élie Jésus y aurait l'élie Jésus-Christ le sauveur Jésus-Christ le rédempteur au bon mien matin l'avocat le juge le défenseur oh matin nous inviter ou le libérateur matin mon qui sorti engagé au mon avec ennemi ou sorti gain force qui peut boumer avec vous qui bata avec vous matin nous inviter ou pour cette occasion ça pour accepter le Seigneur pas quitter au bon mien et philosophe au bon mien vieux philosophe au bon mien écraser l'esprit pour dire mangeons buvons nous n'emportons rien après la mort c'est le néant non la Bible répond dans Hébreu 9 27 il dit car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Oh, bien-aimé, jugement ça, c'est capable de colère, mon Dieu. Au bon mien, et ça fait dire, celui qui croit au Fils à la vie, bon mien, et celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oh, dans acte 17, il dit, Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance et annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Oh, bien-aimé, matin, nous demandons, saisis l'occasion ça, saisis Jésus, oh, saisis assurance ça, saisis vraie assurance ça, assurance divine, non, c'est lui-même qui vraie assurance ça, saisis non ça, saisis vrai tout ça. Tout fortifier ça, c'est tout ça capable cacher où, ou te wèk gen plusieurs tours, mais vrai tout ça. Et pas pour ça raison que dit dans Jean 14, 6, dernièrement, t'as pour évidence avec nous, ben aimé, il dit, je suis le chemin, article défini, je suis le chemin, la vérité, la vie, le chemin. Mon mère, c'est ce chemin ça pour saisir ma terre, ben aimé. Mon mère, pour capable assurer vie où, pour capable protéger vie où, pour capable sécuriser vie ou, pour capable abriter vie ou, matin. Oh, besoin saisir Jésus, ou besoin saisir l'occasion ça, ou besoin accepter le Seigneur, matin. Oh, que le Seigneur, matin, en grâce, à moi, fini. Oh, matin, nous, en tant que l'Église, même j'ai été enseigné à l'Église, oh, Philadelphie, il te dit, je viens bientôt. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oh, nous, en tant qu'église matin, nous devons vivre dans l'obéissance matin, et nous devons vivre dans la persévérance matin, et nous devons garder communion nous, avec le Seigneur, et nous devons adonner nous dans la prière matin, et nous devons garder confiance nous devons garder assurance ça matin. Oh, que le Seigneur, matin, fort grâce, là. C'est pourquoi c'était le Seigneur, matin, c'est le moment opportun. Moi, mais, pour faire choix de ce grand homme, de ce grand sauveur, de ce grand nom, de cette grande tour, matin. Oh, alléluia. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon assurance. Le Seigneur est mon assistance. Le Seigneur est mon appui.
Oh, le Seigneur est ma tour. Oh, ma tour forte. Oh, alléluia. Oh, le Seigneur est ma tour forte. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Mais que peut me faire un homme? Que peuvent me faire des hommes? Là, on va répondre avec question ça. Mais tout en ayant soin, tout en acceptant mais le Seigneur, tout en gardant mais notre communion avec le Seigneur, notre obéissance avec le Seigneur, notre persévérance avec le Seigneur, notre intimité, notre relation en bonne main avec le Seigneur. Matin, que le Seigneur lui bénisse, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur garde. Je viens bientôt. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne traîne ta couronne. Shalom, shalom. Bon dimanche.